Bien, salut à tous, c'est K-Drive. On se retrouve pour la suite de Resident Evil Remake. Et à l'heure où je capture, il est quoi là? Il est 8h du matin. Donc, pour ceux qui materont cette vidéo le matin, bah bon réveil à vous. En tout cas, et bienvenue sur ce Let's Play. Donc, qu'on a démarré hein, en mode forest. Et voilà, ici donc pas de speedrun, on va prendre notre temps, on va faire une partie tranquillou. D'ailleurs, on va peut-être en profiter pour au passage sauver Chris Redfield à la fin. Donc c'est vous dire hein, la lenteur du let's play. D'ailleurs, je suis pas pressé là. Je vais boire une petite goutte de café. En tout cas, une petite gorgée. On va s'allumer une clope et on va démarrer tranquillou. Donc cette suite. Donc sinon, pour info, bah, Forest, on l'avait déjà rencontré. Alors j'espère que pour la capture, c'est pas trop sombre. Normalement, ça devrait aller. Ouais, parce que bon, pour la première partie, c'était quand même un peu pas clair, on va dire que c'était quand même assez sombre. Alors, bon, bien sûr, hein, comme vous le savez, j'ai le lance-roquette, mais on va se la jouer un peu funjo, on va dire. On va se prendre le. C'est quoi ça déjà? Non, 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 Jill. Jill, no. Non, en fait, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais checker justement. C'est quoi déjà comme arme ça? Ah, je m'en souviens plus là. Je ne m'en souviens plus. Un automatique tirant des balles de calibre 40 SW. Ah oui, c'est le fameux. C'est quoi déjà son nom là? Smith et Wesson? Ouais, on va dire que c'est un Smith et Wesson. Hein. Bon, en tout cas, on va le prendre. Bon, j'ai une plante, il me reste deux blocs de disponibles. J'ai deux clés. Et alors, je bois vite fait une gorgée de café. On va démarrer donc cette suite. Bon voilà, sinon bah, j'espère que tout baigne et que vous avez la faux forme. Bon, en tout cas, je le laisse, ça va, même si je vais bosser dans 3-4 heures là. Allez, c'est parti. On va faire deux trois petites énigmes vite fait. D'ailleurs, on avait déjà été voir donc Richard. On avait déjà été le voir. Et là, il va falloir donc récupérer la clé de la salle du serpent. Alors, est-ce qu'ici, d'accord, c'est déverrouillé. On va pouvoir résoudre une petite énigme ici. On va en profiter d'ailleurs. Tiens, une petite plante rouge, c'est bon ça. Hop, on va tout de suite la mélanger. Pour un gain de place, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne m'en souviens plus trop. Alors, on a un ruban de sauvegarde. On aura peut-être pu le récupérer d'ailleurs, le ruban. Ici, on a quoi? Une autre plante verte. On va la laisser là pour l'instant. On va pouvoir aller au chandelier. Tiens, d'ailleurs, on va pouvoir rencontrer
notre cher ennemi. Je vais bien sûr parler de Forrest. Alors, je regarde ici vite fait. Non, au pire, on va aller là au direct. Comme ça, ce sera fait. Ouais, parce qu'il faut que je récupère néanmoins la partition. Mais par contre, vu qu'on est en difficile, je me demande si justement ça n'a pas encore changé de place. Oh là là là! Bon, au pire, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va se speeder le cul. Ouais, ils sont nombreux là en plus. Hop 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 hop. Oh là là. Il a fait me dégommer l'ordure. Par contre ici je vais m'équiper parce que j'ai pas envie de me faire grignoter la gueule. Ça sert à rien. Et c'est pas le but. Bon, y a personne ici. Sûr. J'ai un petit doute là. Ah, Richard qui est toujours ici. I'm okay. The others. Bon, Richard il va bien parce que bon, on lui a emmené quand même le sérum. Ah, ils m'ont fait flipper là, les deux super zombies là. Si je sais qu'il y a quelqu'un ici, c'est obligé. On va utiliser le Smith & Wesson juste là. Pou, 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 pou. Oh là 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 là. Alors, vous allez voir ici que normalement on devrait en théorie rencontrer Forrest. Justement j'y avais pensé à ça. On va s'avancer en marche arrière hein, comme ça pour éviter justement qu'il grignote ou casse. Oh là 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 là, l'enfleurasse. Amène-toi, amène-toi là. Il est bloqué derrière le mur. Saligo. Mais à mon avis, il va pas tarder à se lever lui. Bah, il se lève tout de suite d'ailleurs, l'enflure. Tu crèves, nom de Dieu! Ah, ici, normalement. Bon, ce qui me fait chier là, c'est que j'ai la clope. Alors, je vais la finir vite fait, d'ailleurs, le café au passage. Parce que j'ai pas envie de me fail là, ce sera un peu con. Bon, allez, on est bon. Ah, il arrache le café là. T'es le matin là. Au moins, on peut pas dire que je suis bien réveillé, que je suis mal réveillé. Hein. Je crois que c'est le Samurai Edge ou le Swiss. Le S-Walk ou je sais pas quoi. Samurai Edge, ouais non, ce serait plus le Samurai Edge. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Vous avez vu? Je vous l'avais dit. Putain, l'enfer. Bon, de toute façon, on va être obligé. On va être obligé parce que j'ai pas le choix là. Il faut que je récupère la partition. Putain. C'est un truc de ouf lui. Ah mais et finalement il m'a pas autant blessé que ça. Putain, oh la fleur. Oh là là là.
Lâche-moi. Oh, il est flippant lui quand même. Rouge indirect évidemment. Moi aussi on va quand même prendre le roquette là. Très clairement. Et lui, il a disparu, oui, forcément, vu qu'il est rentré dans la pièce. C'est justement lui qui est rentré dans la pièce, donc. Alors, ici, on a toujours. Richard qui agonise. Ouh, ça va devenir chaud, les amis. Oh là 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 là. Bon, par contre, alors pour. Oh là là. Étonnant hein, quand même. Je lui ai mis que 2 balles et. On va faire vite fait les lignes ici, au passage. En fait, 2 balles ça les calme hein, quand même. Ça les met au sol. Direct, mine de rien. Alors on va récupérer le premier masque. Comme ça, ce sera fait. Et normalement, c'est celui-ci. Ou plutôt celle-ci, j'ai envie de dire. Voilà. Il me reste quoi en placer, bon, normalement. What? Ah oui, il faut appuyer sur le bouton. Je me disais. J'ai oublié une étape. Voilà. On va récupérer la petite boîte. Et d'ailleurs, hein, qui sont quand même assez chiantes à ouvrir. Alors, si on peut l'ouvrir là, comme ça, direct. Non, vous voyez que faut s'y reprendre à plusieurs fois, j'ai l'impression, à chaque fois. Non! Non, j'ai pas envie d'appuyer. Et tu vas t'ouvrir. Oh, c'est pénible. Quand même. À l'envers, ça marche. Hein. Ouais, c'est vachement logique. Franchement, incroyable quoi. Hop, hop, hop. J'ai un. J'ai un coup là. Un poignard plutôt. Et il me suit le super zombie. Et oui. Il veut faire l'aventure avec moi. Bon voilà, alors vite fait que je réfléchisse là, vite fait. Tac tac. Alors
J'aurais bien été à la malle là direct par contre. Parce que là, il va me manquer sérieusement de la place. Et le briquet, de toute façon, j'en avais plus besoin. Bon, alors pour faire plaisir à certains, je joue avec le gun. À faire la statue au passage. Forest n'est pas dans le coin. Impeccable. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et Jean, avec tes super gros bras. Voilà, ça c'est fait. Alors, c'est par ici ou pas? Je m'en souviens jamais. Ouais, il est ici, le petit enfleurasse. En plus, je crois que j'ai pas pris de plantes. Bon, on va passer par là. On va faire comme tout à l'heure, hein, dans la première partie. On va l'esquiver de ce côté-ci. Bon, lui, normalement, il devrait pas tarder à se lever, à mon avis. Lui non plus d'ailleurs, à mon avis, ce sera plus lui qui va se lever, je pense. Allez, on va taper un sprint là, rapide. Ça passe. Oh là 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 là. Ok, l'esquive de maître. Oh bah là, c'est la totale. Hein. Super zombie. Super zombie. C'est vous. Ouais, alors là, c'était du gros fail, inutile de vous le dire. j'ai envie de dire no comment. C'est pas grave. Allez, on se retrouve à toutes pour la suite. Bon, là, nous sommes de retour. Et en gros, j'ai refait. J'ai refait ce petit bout de chemin là. Assez galère hein, avec Forest dans les pattes. Du coup, et puis de toute façon, c'est fait pour. Je vais garder le Rocket parce que quand même, on n'est pas plus mal pour s'en débarrasser efficacement. Allez, du coup là, on va aller vite fait. À présent. Récupérer le masque mortuaire. Il y en a un autre là, il me semble. Tiens. On va faire au passage l'énigme vite fait pour le masque. Pff, quelle misère quand même. Et bien évidemment, on va récupérer. On va tenter de récupérer le fusil cassé justement. Parce que bon, mine de rien, j'ai envie de l'avoir ce fusil. Je trouve bien sympa. Ouais, c'est pas évident hein, quand même avec Forest dans les pattes. Et en mode difficile, ça arrange pas les choses. Ce que vous avez vu, 2-3 morceaux, c'est la mort directe. Puis bon, faut dire que le stick de la manette,
Il est pas terrible, terrible non plus. En tout cas, pas évident. Oui, bah, je sais qu'il doit y avoir un moyen. Je sais bien ça. Voilà. Donc on récupère le fameux masque morture. Le premier, hein, il y en aura en tout 4 à récupérer. Alors maintenant, il va falloir bien sûr jongler avec les super zombies et Forest. Ça va pas être de la tarte, très clairement. On va faire la statue là pour qu'on y est. Et de toute façon, on va passer par en bas. Je crois que c'est le mieux à faire de toute façon. Donc avec Forest, ça modifie complètement l'itinéraire. Ah la vache, c'était par là-haut. Ah, ça c'est quoi, c'est le diamant bleu? Est-ce qu'on le prend? Non. On verra ça plus tard. L'emblème, lui, on va le prendre. Récupère ici l'autre partie qu'on va pouvoir combiner. À présent, on est bon. Voilà. Et on ira faire une sauvegarde. Hein. De toute façon, après. Allez, la sonate au clair de lune. Parfaitement bien joué par Jill Valentine.
Voilà, on récupère donc notre emblème. On va récupérer par le tout moisi, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est fait. Le journal de Trevor. Et on s'arrache. Il y en avait un autre. Ah, c'était peut-être Forest qui était là, il me semble. Parce que à cet endroit, je sais qu'il est immobile. Il bouge pas. L'enflure. Il nous bloque le chemin. Il est là, il reste là, au milieu du couloir. Donc à mon avis, ça se pourrait bien qu'il soit pas en haut. Alors là, je ne m'en souviens plus trop. Il me semble que c'est la grande. Ouais, c'est ça. Donc, on récupère la clé serpent. Voilà. D'ailleurs, passage, un magnifique clé. Et alors, bon, on réfléchit là. On va passer par là, je pense. Je pense que ça va être plus pratique par là. Malgré que Forest y soit là. Oh là, je suis quand même en attention là. Faire gaffe de pas se faire bouffer. Vous voyez que il est là en forest. Ça va être délicat là à passer. Bon allez, on va prendre le risque, on va tenter. 3, 2, 1, c'est parti. Oui, c'est bon, il m'a pas chopé. Oh la vache. Ah, mine de rien, on peut quand même arriver à l'esquiver. Pauvre Forest, il a pas de chance. Mais il est là, il nous accompagne dans le manoir. Il nous suit. Il nous surveille. Ce bon vieux Forest aux cheveux longs. Ah, suspense, suspense, attention. Est-ce que j'avais pris la plante ici? Normalement oui. Ici il y a du super zombie ici, alors attention. Il faut que j'arrive à récupérer le fusil cassé là d'ailleurs. Et oui, et Forest derrière, et bien sûr ça loupe pas. Allez, on va faire un exit hunter. Normalement il devrait être de nouveau de l'autre côté. En tout cas j'espère, sinon on va pas pouvoir aller à la salle de sauvegarde. Ce serait un peu con. Oh là là, Forest il est là, il est là. Forest, ou lâche-moi, lâche-moi. Oh la vache, l'ordure. Ah, ils m'ont bien explosé, sérieux, j'ai failli mourir là, j'ai failli y rester. En plus, par contre, je crois que j'ai même pas de spray, j'ai rien. Ouh là là, ça va être difficile là. Là, ça promet, j'ai rien là, je crois en plus. Ah si, j'ai un spray, ouf. Bon, le masque, on va le déposer direct. Du coup, j'ai les trois clés. Il y a des clés, donc.
dont il va falloir que je me débarrasse. Oh là 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 là, ils m'ont démonté la gueule. Là. Ouais, ils m'ont défoncé, c'est clair, il n'y a pas à chier. D'ailleurs, tout de suite, on va taper une save. Ça évitera de se retaper tout le chemin, là, c'est clair. Ouais, c'est le stick aussi, là, qui est un peu chiant. Hop là, toi tu m'attraperas pas. Allez, on récupère direct. Par contre, j'ai pas le produit là. Ah oui, il va falloir que je le récupère le produit. À l'eau de pile, ça va être pas mal ça. Il va falloir que j'aille quand même là-haut pour récupérer les quelques plantes là, parce que bon. Ici normalement il y a des petits rayons, on va les prendre bien sûr. Voilà, ça promet. Remonter pour aller chercher le produit. Peut-être qu'on peut lui mettre des grenades, mais bon. Je pense pas, à mon avis, les grenades. Et mais attends, je l'ai dans l'os parce que je crois que je peux pas. Ouais, justement. Ah, si, je peux quand même prendre une plante. Non, 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 Jill, tu peux rien faire. Bon. Bon, bah, dans tous les cas, il va falloir le produit. Pas le choix. Aïe, 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 aïe. Comment on va faire hein? Que je réfléchisse. Bon, de toute façon, je suis obligé de passer par là, j'ai pas le choix. Quoi? J'ai pas de visée automatique, mais c'est quoi? C'est quoi cette blague? Si, lâche-moi, lâche-moi, putain. Elle est où la visée automatique? Elle a disparu quoi là? Ah, c'est par là. Putain, il faut pas trop. Faut réfléchir vite là, j'ai envie de dire. Parce que sinon, t'es pas dans la merde. Hein. D'ailleurs, je suis un peu con parce que c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Alors ici, normalement, ça nous fait sortir où? Ah oui, ça nous fait sortir ici. Bon bah impeccable, c'est pas plus mal. Ah, c'est bien bien chaud quand même. Hein. Même si j'ai le roquette, hein, franchement ça veut rien dire. Parce que bon, comme vous avez pu le voir, hein, il peut y avoir un super zombie, mais derrière il peut y avoir Forest. Ça c'est un peu le piège. si vous canardez Forest, enfin le super zombie Forest, si vous le touchez, c'est l'explosion et c'est terminé. Donc quelque part faut bien bien surveiller quand même.
j'ai envie de dire. Allez, on va récupérer donc le produit pour la plan-plan. Afin de pouvoir l'anéantir efficacement. Et on va prendre aussi une plante hein, au passage là. Alors ça tombe bien, on va pouvoir sauvegarder. On va se mettre à 100%. Non, c'est bon. Si, c'est bon. Celle-là pris quand même. Allez, on est ready. En plus, ça tombe bien, on va pouvoir déposer le fusil. Oh là là! Ils m'ont fait flipper ça. Oh là 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 là. On se laissera là pour cette deuxième partie puisque bon à mon avis avec la première partie où j'ai fait un méga file je vais être obligé de la coller et ça va faire super long à mon avis. Bon de toute façon l'autre il m'a becté, on va bouffer la plante direct. Voilà, cette fois-ci, je ne pourrai pas mourir. Ça ne devrait pas être trop mal. Voilà, et on va sauvegarder ici. D'ailleurs, on peut peut-être faire l'énigme des tableaux. Pour en cogner. Ouais, lui, il va falloir se méfier là. Tarder à se lever lui. D'ailleurs on va prendre les sprays là. Allez, on va taper in save. Et on va se laisser là. Pour cette deuxième partie donc. Bon d'ailleurs on va peut-être pouvoir essayer justement les tableaux parce que moi je m'en souviens plus des tableaux là, je foule là, c'est flou là. Ah ouais les tableaux ça date hein, quand même hein, oh merde ça va bientôt casser ça, j'ai envie de faire gaffe aussi.
Oh là là là. Et c'est Forrest qui est là. Putain, il va falloir faire gaffe avec lui, hein, très clairement. Alors, est-ce que c'est ça? Parce que bon, je ne m'en souviens plus trop. Les tableaux, je m'en souviens plus trop là. Ça me paraît étrange, à mon avis, c'est pas bon ça. Eh ouais, c'était sûr. Ouais, oh là là, cassez-vous là. Bon, écoutez, on va se laisser là. Et on verra bien ça dans la prochaine partie, donc la partie 3. On verra ça dans la partie 3. C'est préférable. Et je vous dis à très bientôt, c'était K-Drive pour ce let's play en mode difficile. En compagnie de Forrest. Allez, à très bientôt. Bye bye.